Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Lucas n'est pas là, donc du coup, je te remplace par toi, Par Lucas. Lucas, Ouais, bah voilà. ouais. Un Tout le monde Lucas te connaît. remplace un Lucas. Ouais. C'est le début de la Ligue 1 McDonald's. Ça a commencé la semaine dernière. Aujourd'hui, nous allons classer les maillots de la Ligue 1. On a fait une petite tier list que vous voyez actuellement. Donc, il y a banger, très beau, beau, pas ouf et raté. On va classer vos maillots, les maillots de la Ligue 1. Et on va commencer tout de suite maintenant par Angers domicile. Qu'est-ce qu'on en pense, Lucas Bonin? Alors moi je trouve que c'est un beau maillot quand même. Ouais. Par rapport à ce qu'on a vu de Angers avant, je ouais. trouve que là on a quand même le noir qui est beaucoup plus présent. Là j'aime bien ce côté un peu avec les bandes comme ça. Je trouve que visuellement il est assez beau. Et même quand on le voit porter sur les joueurs, ça fait presque penser un peu à un maillot de première ligue. Un peu à la Newcastle. À Newcastle. Moi je trouve que ce maillot il est super beau et c'est vraiment, ça remplit le cahier des charges de Angers. Blanc et noir. Juste, tu vois, le moi, c'est le sponsor. Le sponsor, vraiment, il est trop... Fait tâche. Ouais, ça fait gros carré, tu ouais. vois. On va le classer. Bah, moi, je le classerais dans très, très beau. Beau. Ouais. À la fin de la tier list, ça, tout peut bouger. Voilà. On n'est vraiment pas sûr de ce qu'on met. Là, c'est le premier maillot. On va voir les prochains maillots. Okay. Ok. Angers extérieur, quand on le voit de loin, on se dit que c'est un maillot blanc, mais il y a du détail à l'intérieur. Je pense que ça doit représenter Angers. On dirait un peu une cathédrale. Je suis pas fan de ouf. Juste le sponsor, ça met pas du tout en valeur le maillot. Et moi, je vais te donner mon point de vue aussi. C'est que je trouve que le détail de la cathédrale, il est pas assez mis en valeur finalement, tu vois. Ouais. Genre, je sais pas comment expliquer. Genre, tu vois, limite, ils auraient annoncé ce maillot-là en maillot domicile, bah je te jure que ça m'aurait pas choqué. Mais je pense vraiment que le sponsor fait que le maillot il soit pas totalement ouf. Ouais. Pour le maillot domicile, ça me choque pas énormément. Et là, ça me choque vraiment parce que le maillot est tout blanc avec le détail. C'est un sponsor noir qui est agressif et on voit pas assez le détail de la cathédrale. Et c'est ça qui est dérangeant. Ok. Moi, je dois être recherché. Pas aller au bout du truc. Il manque une petite touche de noir en plus. Tu ouais, vois, oui, genre, peut-être juste voilà. le col. Ouais. Ils auraient fait le col en noir. Peut-être. Peut-être ça aurait tout changé. Parce que là, tout est blanc et c'est vrai. T'as raison. Moi, personnellement, je te le jure, je le mettrais dans raté. Mais, ouais. Ah ouais? Ouais. Ok. Objectivement, moi, je j'accroche pas. Là, ça peut évoluer. Peut-être là, je suis dur. Mais par rapport. Parce que c'est le début. Ouais, c'est le début. Mais par rapport à ce qu'on peut avoir après, je pense. Ok. Vas-y, tu sais quoi, je te laisse d'en rater. Et on passe à Auxerre. Moi, je trouve que le maillot, voilà, il est beau. J'aime bien ce détail un peu géométrique qui est aussi en dégradé, le dégradé bleu. C'est un maillot qui est cool. Ouais. Il est sympa. Je suis complètement d'accord. Après, ouais, sur le design, c'est un beau maillot. Je le mets dans beau. Ouais. Moi, vraiment, je le mets dans beau. Maillot extérieur, du coup. Je commence cette fois où tu. Vas-y. Plutôt beau. On a quand même quasi que du noir et du blanc. Et t'as juste le logo d'Auxerre, tu vois, qui est bleu. Ça aurait peut-être pu être un risque, mais pourquoi ils ont pas essayé de mettre le logo en blanc, en fait? Ouais. Genre, pour vraiment rester sur blanc et noir. Moi, ce qui me dérange, c'est du coup tous les logos gris anthracite sur le noir. Genre, il y en a trop. Il y en a vraiment trop. Si ça fait des détails juste gris anthracite, je sais pas, tu fais des trucs qui n'ont rien à voir avec le logo, ça aurait pu me brancher. Et là, je suis vraiment, vraiment mitigé sur le fait d'avoir mis autant de logos. Ça rapporte rien du tout. Alors là-dessus, je suis d'accord avec toi. Ah là 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 là. On le met dans pas ouf. Raté, c'est peut-être dur, tu vois. Je le trouve pas non plus, t'as vu Moi, je pourrais quand même le porter. Attends, tu portes plutôt celui-là ou celui de Angers? Oh, celui-ci. Après, ça peut évoluer, tu vois. Si après, on ça voit évolue, qu'il y a déjà beaucoup de choses en pas ouf, tu vois. On le sait, on le sait. Ah, nos amis brestois qui vont jouer la Ligue des Champions. Rouge, classique, simple, efficace. Brest a énormément de sponsors, donc peut-être que ça peut faire tâche à ce maillot. Mais moi, ça me dérange pas. Il est beau. Oui, voilà, il est beau. C'est un maillot classique, tu vois. Bon maillot. Brest extérieur. En fait, c'est le yaourt malo qui me tue, mais. En plus, j'aime pas trop les maillots marinières. C'est peut-être trop chargé. Peut-être avec trop les chargé, bandes, les sponsors. Ça reste un peu dans la DA de Brest avec beaucoup de sponsors. Je dirais pas raté. J'hésite entre beau et pas ouf. C'est quoi? On le met dans pas ouf. Ok. Et on voit par rapport à ce qu'on met derrière. Ok. Ok. Et bah, tu vois. Imagine-toi. Ce design là sur le blanc. Et bah je te jure que le blanc il devient un peu plus banger. Peut-être ouais. Même le logo de Brest dans cette couleur. Oh, il est beau. Il est beau. Dans la confection des maillots, même là tu vois. Moi, ce pointillé. Déjà ce pointillé, je trouve qu'il est un peu. Il fait un petit peu mal aux yeux. Tu vois. Je trouve que sur leur maillot, ils essayent de faire des choses souvent trop chargées. Ça aurait fait des pointillés plus petits sur tout le maillot. Ouais, ouais. Oui, bah oui, je oui, pense oui, qu'il oui. est archi beau. Ouais. Il y a trop de couleurs. Ouais. Il y a du bleu, il y a du gris, il y a du rouge, il y a du blanc. Ouais.
il y a trop de couleurs. Ouais. Ce qu'ils auraient peut-être pu faire, c'est de faire le maillot simple bleu et les ronds en bleu foncé. Oui. Tu vois, pour rendre un peu le truc plus foncé. Est-ce qu'on se fait un avis pour voir porter sur internet? Vas-y, on essaye si tu veux. Ah, tu vois. Ah, oui. Ah, non, franchement, il est. Alors, porter, du coup. Porter, il est beau. Je pense que la photo n'est pas en valeur. Ah ouais, non. Okay, franchement, et même y a un truc. Regarde le logo en bleu. Non, il est beau. Non, il y a un truc. Porté, il est beau. Ah, du coup, là, j'hésite entre beau, entre et, beau pas et pas ouf. Viens, on le met beau. Parce qu'il y a quand même une originalité. Tu vois, ils sont allés chercher des couleurs qui font pas trop de base par rapport à ce qu'on voit sur le maillot domicile extérieur. Et on verra en fonction de l'évolution, ok? Ok, on passe au maillot du Havre domicile. J'aime bien. J'aime bien de ouf, même le dos, j'adore parce qu'il y a des détails, etc. C'est pas juste un maillot simple, un bleu clair et un bleu foncé. C'est vraiment, il y a du détail à l'intérieur. J'aime bien ces petites sortes de taches. Le seul truc qui me dérange, c'est qu'ils ont fait le parti pris sur l'avant de faire côté bleu clair, côté bleu foncé. Et sur le dos, on a que ce bout de manche bleu clair finalement. Je sais pas, tu vois. Il peut être dans beau. Ouais, je suis d'accord à le mettre dans beau quand même. Pas son maillot extérieur. Moi j'aime bien. T'as des choses à dire. Non, moi j'aime bien. Ah ouais? Le col et les manches. Tu vois, le col et les manches, ça fait un rappel blanc et blanc et noir. Le logo est parfait avec. Moi franchement, je kiffe de ouf, je le trouve beau. Dans mon avis, c'est que c'est le maillot que Angers aurait dû faire. Tu vois, quand je te disais les détails juste du col et des manches. Ouais. Bah Angers, ils font ce maillot là. Moi, c'est un banger de ouf. Alors du coup, tu préfères le maillot domicile ou le maillot extérieur? Maillot extérieur. Ok. Ok, ça me va. On est beau. Ça va, je te dérange pas. Non, mais c'est pas grave, t'es sur ton téléphone. En fait, je suis juste en train de relancer. Non, je sais ce que t'es en train de faire. Maillot domicile de Lens. Ça remplit le cahier des charges de Lens. Ouais. Jaune et rouge. J'ai jamais été hyper fan des maillots de domicile de Lens. C'est pas les couleurs que je porte et c'est pas les designs comme ça, c'est pas trop mon. Bah, tu vois, on l'a vu avec Angers, les barres, mais ça me choquait moins que là. Parce que là, c'est sûr, t'as du rouge, du jaune, et puis t'as le noir en plus. Fin... Et après, tu vois, vu que je suis pas un supporter de Lens ou quoi, parce que tu vois, les supporters de Lens, bah, ils vont trouver ce maillot hyper ouf parce que c'est l'histoire de Lens, etc. Ça a toujours été des maillots comme ça à Lens. Je le mettrais dans pas ouf, objectivement. Lens, ça fait quand même quelques années qu'ils sont en Ligue 1. Je pense qu'ils auraient pu essayer de proposer quelque chose d'un peu plus original, tu vois. Vas-y, on le met dans pas ouf. Allez. On met dans pas ouf et on voit comment ça évolue. En live, quand on le voit, etc., c'est différent. Ah, peut-être, on se trompe. Tout ça, c'est des photos, on n'a pas eu le maillot en vrai de vrai. Donc là, maillot extérieur. Là, moi, perso, j'aime bien. Oh, c'est ma cam. Moi, je le trouve très beau. J'adore ce c'est original. Cette couleur. Non, je le trouve très bien. Il est complet, tu vois. Ok. Il est beau. On le met où, du coup? Dans beau ou dans très beau? Je le mettrais dans très beau. Honnêtement, je le trouve très beau. Ah, moi aussi, je le trouve très beau. Je le trouve très beau. Ouais. Troisième maillot de Lens. Écoute, je le trouve beau. Ouais. Je le trouve beau de ouf. Il est classe. C'est un maillot que vraiment que je peux porter en vrai. C'est la Ligue 1 McDonald's. Pourquoi? Bah dans les couleurs un peu, non? Ouais, non. D'accord. Non, je sais pas. Je le mettrais dans beau. Moi, je le mets dans beau. Pareil. Ouais. Je le mets dans beau. On passe à nos amis Lillois. J'avoue qu'il est sympa. Il n'y a pas forcément énormément de détails. On a les petits triangles un peu là qu'on voit qui viennent se rejoindre au milieu du maillot. T'as rien d'exceptionnel. Quand je le vois comme ça, je me dis pas waouh, tu vois. Tu vois, il n'y a pas de risque. C'est un peu comme Lens, tu vois. Ouais. Genre. Avoir plus de matière. Plus de détails, plus de choses. Vraiment, il fallait faire mieux parce que Lille, ça va jouer potentiellement la Ligue des Champions. C'est dans tous les cas dans une Coupe d'Europe. C'est dommage. Donc, je suis un peu déçu en vrai. Tu vois, ça aurait pu être sympa, par exemple, le détail du col, de l'avoir remis sur les manches. Ouais, mais même, je trouve qu'il fait vite, quoi. Ouais. Ouais, je sais pas. Il manque quelque chose. Pour moi, il est raté. Hein. Vas-y. Maillot extérieur de Lille. Et là, tu vois, maillot extérieur, moi, je le trouve beau en vrai de vrai. Là, quand je le vois comme ça, j'aime bien les petits détails. J'aime beaucoup. Ça fait un peu quadrillage, ça fait de la 3D. Peut-être qu'il manque un truc sur la manche. Ouais, mais c'est vrai qu'il est sympa. Je trouve que c'est un beau maillot. Ouais, c'est un beau maillot. Moi, j'aime bien. Alors, le troisième maillot de Lille. Clairement, c'est soit t'aimes ou soit t'aimes pas. Je l'ai pas vu de mes propres yeux, mais sur les images qu'on voit, je le trouve très beau. Et à la limite du banger. Moi, je le mettrais dans très beau et pour moi, c'est le plus beau des très beaux. C'est un design qui est assez particulier. Quoi. On dirait un peu les formes, tu sais, qui essaient de t'envoûter là. Quand tu regardes là, comme ça aspire ton âme. Tu vois. Le seul truc qui me dérange, moi, le double truc sur les manches là. Okay, le jaune et le noir. On dirait des brassards de capitaine. Ouais, oui, c'est vrai. Genre, en gros, t'enlèves le noir. J'enlèverais juste la le noir jaune, et ensuite, tu laisses le détail. Je suis d'accord. On passe au maillot de Lyon. Je trouve qu'il est beau. Il est beau. C'est du Adidas. Un beau maillot de choix. Dégradé, il est intéressant. Ouais, de ouf. Je reconnais que c'est un beau maillot. Le sponsor passe bien dessus. Le logo ressort bien. Ah ouais. Bien besoin de plus. Ouais, un maillot de domicile. De ouf. Maillot extérieur. Alors, moi, tu vois, il y a un truc par rapport à ce que toi, t'avais dit tout à l'heure.
T'aimais avec pas, Auxerre. Tu vois, Auxerre, voilà. Avec Auxerre, c'est... Le fait qu'il y ait trop ouais. de logos. Ah ouais. Bah, je trouve que là, ça me choque moins. Ouais. Pourquoi ? Parce que, en fait, t'as... Je sais pas si on voit bien. En fait, tu vois les incrustations de logos. T'as des logos qui sont en plein et des ouais. logos qui sont en pas plein de l'OL. Okay. Bah, ouais. le fait de, d'avoir ce quadrillage un peu, bah, ça me choque moins que Auxerre qui avait Auxerre juste... qui a lui posé. Auxerre voilà. avait juste posé. Et là, c'est vraiment sur tout le maillot. Bah, moi, je trouve qu'il est plus beau que le blanc. Ah ouais ? Ok, c'est... Parce que peut-être que, tu vois, moi, je suis dans le truc maillot noir. Okay. Je le mettrais peut-être pas dans très beau. Non, beau, c'est... Mais je le mettrais dans beau plus. Et plus beau que le... Ouais, beau plus. Voilà. Ok, on part sur... Marseille. Nos amis marseillais. Nouveau logo pour Marseille. Ce maillot, moi, je le trouve beau. Il est efficace. Le col bleu, les manches bleues. Mmh. T'as le détail aussi sur le côté qui rapporte quelque chose en plus. Franchement, je le mets dans beau, il y a rien à dire. Ouais. Alors, moi, Ali... Moi, alors, j'avoue, lui, pour alors... moi... Lui, c'est un banger. Oui, je suis d'accord. Et lui, pour moi, il y a tout. Ah, t'as les couleurs, ouais. t'as le doré. Enfin, bon, le doré sur les maillots, c'est la graisse, c'est magnifique. La texture, un peu, on dirait une brume, un peu une fumée, ouais. je sais pas trop. Le volcan ouais. du vélodrome, peut-être ouais. que ça fait référence à ça, mais je pense qu'on a le premier banger de la vidéo. Il est vraiment archi beau. Banger pour nos Marseillais. Monaco. C'est du classique. Ah, c'est du classique, mais tu vois, j'aime beaucoup. Mm. C'est classe, c'est bien le col comme ça, un peu tennis. Ça rappelle un peu le prestige ouais. de la ville et tout, tu vois. Limite, je le mets dans très beau, tu vois. Tu sais, ils auraient juste pu faire une ligne de doré sur la manche au-dessus ouais, du rouge. Oui, oui, c'est oui. vrai, pour faire un petit rappel au logo. Ah, je le trouve très beau, moi. Mais ouais, non, très beau. Moi, je suis d'accord pour mettre très beau. Extérieur. Et ils aiment bien cette couleur. Hein. Pour moi, ça, c'est un banger. Il y a des détails. Il y a le détail dans le maillot. Peut-être qu'on voit pas ici. Est-ce que tu peux zoomer un peu sur ce maillot-là ou... Frère. Ah, les petites. Frère. Ouais, non, c'est un bail. Et là, il y a vraiment un truc plus détaillé dans le maillot. Il est là. Ah, il est très là. Il est très là. Vous avez un maillot. Trop. On sait jamais. Ouais. Maillot. Troisième maillot. Monaco, ils sont déjà sur un gros taf là. Les détails, hein. Oh, il est beau. Oh là 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 là. Oh, ok. Il est archi beau. Le troisième maillot de Monaco. Voilà. Là, est-ce que ce serait pas un banger? Ah, je sais pas. Ça joue entre banger et très beau. Je pense qu'on va le mettre dans très beau. Ouais, je suis d'accord. Parce que les bangers, c'est vraiment. C'est sur une autre planète. Donc, Montpellier, domicile. Qu'est-ce que tu penses du nouveau logo de Montpellier ? Pour les 50 ans du club, c'est ça hein ? Ouais. Oui, bah, c'est historique, j'ai envie de te dire. Le gros 50, il prend beaucoup de place quand même. Peut-être que tu peux faire un truc, genre tu mets un 50 juste au-dessus du logo ou tu mets un patch, tu vois. Moi, je le trouve vraiment pas ouf. Vraiment pas ouf. Vraiment c'est trop bizarre, on dirait que t'as un chasuble, tu vois. On dirait des oreilles. Des oreilles ? Bon, peut-être j'abuse. Oh, peut-être que je vais trop loin. Non, mais... non, mais après, chacun a son imagination. Non, je suis désolé, mais c'est vraiment pas ouf. Moi, je te dis la vérité, je le mettrais dans raté. Ouais, bien sûr, raté à mort. Raté. Montpellier, ils sont capables de faire de belles choses, je pense. Ouais. Alors, là, on est sur quelque chose de différent quand même. En tout cas, il est plus beau que le maillot domicile. C'est quoi ? C'est des écritures qu'il y a sur. C'est des personnes, c'est des histoires historiques du club, genre. Ok. Mais je trouve ça encore très bizarre de mettre les noms, prénoms. Il y a un truc qui me dérange de ouf, c'est que le Swile, on dirait, il est tout seul au monde. Et autour, il n'y a rien. Il est raté. Ouais, raté. Il est raté. Même le caporal jeans là. Maillot de Nantes. Alors là, gros. Mon gars, lui, il va dans très beau. Lui, il va dans très beau. Je peux pas dire banger parce que non. On a quand même eu des bails. Hein. Ouais, mais... banger, c'est vraiment une dinguerie. Mais là, mon gars, il est sauvage. Hein. Ah là là. Le détail dans le vert. Les bandes qui sont pas droites, mais qui sont un petit peu en diago, mais très très légèrement. Le détail là à l'intérieur du vert. Ça passe archi. Ah ouais, non, Nantes, rien à dire. Nantes là, il y a un. Très très. Tu vois, là, il y a un vrai taf, non ? Ah ouais. Maillot. Oh mon gars. Je pense qu'on est corda. C'est un banger. C'est un banger ! Oh, est noir comme ça. Oh là 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 là. Tu fais un taf, Nantes, cette année. T'as vu juste le design dans le fond ? On se rend pas compte que t'as vraiment un mec qui a fait une construction avec tous les éléments de la ville. Ouais. Il est incroyable. Et bah, tu vois, pour moi, c'est le plus beau des bangers. Mais je pense qu'en fait, il regroupe un peu tout ce qu'on a vu chez les autres, tu vois. Ouais. Genre l'incrustation dans le fond, les couleurs, t'harmonises bien ensemble. Même portée, là, quand tu le vois. T'es magnifique, frère. OGC Nice. Alors là, tu vois, couleur noire, rouge. Comme je disais pour le maillot de Lens, j'aime pas les bandes. Mais là, il n'y a pas beaucoup de bandes. Comparé, je crois, à Lens, il y a beaucoup plus de bandes. Et peut-être que si tu avais mis moins de bandes sur le maillot de Lens, je l'aurais mieux classé. Je vais dire, c'est même pas les bandes, je trouve, qui font vraiment le maillot. Bah non, mais c'est le logo doré oh avec le sponsor doré. Bien sûr que lui, ça fait vraiment tout le maillot. Il est incroyable. Ah ouais, moi, je le mettrais dans très beau. Ah ouais. Et regarde, là, on a ce petit rappel doré que je te parlais sur Monaco, tu vois. Et ça, c'est pareil, ça fait la diff. Ah mon gars. Ah gars. Ah bon. Waouh.
Ouais, c'est une dinguerie, il est incroyable. Ah ouais? T'aimes pas? Moi, je kiffe. Mais après, peut-être qu'on le voit pas là, pas forcément un détail. Après, si t'as, ah, si t'as une bande, t'as une bande blanche, ouais, qui fait le. Mais tout le. Je suis sûr qu'il y a. Comment tu zoomes? Regarde. Ah oui, t'as des écritures. Mais je sais pas ce qu'il y a écrit. Peut-être c'est des noms. Hein. Ounas, ça doit être tous les joueurs qui sont passés par le club. L'équipe entière, on retrouve sur les noms de tous les joueurs passés par le gym. Des dates historiques. Ah mon gars, non. L'histoire elle est belle. Moi pour moi je le mettrais dans banger aussi. Hein. Ah ouais? Ouais, ah ouais. Il est archi beau. Oh, il est doux, tu vois, on dirait. Ah, il a un petit caramel macchiato. Il a dit il est archi beau. Non, je, pour moi vraiment. Mais est-ce qu'il joue dans le banger dans ah ce ouais qu'on a mis là? Ah ouais. Ah ouais? Ah ouais, de fou. Ah, t'as un vrai détail là aussi. Hein. Ouais, t'as un détail de nom. Les choix couleurs. Moi je le mets dans banger. Ouais. Tu sais quoi, je t'en laisse un, tu m'en laisseras un. Vas-y. Maillot de Reims, franchement je le trouve beau. Hein. Ouais, moi je pour le moi trouve beau. Il y a les détails à l'intérieur du maillot, rouge et blanc, comme les couleurs de Reims avec le logo. Pas le logo énormément de choses à dire. Ouais. Non, franchement, c'est, rien à dire. C'est du beau. C'est voilà. Ouais. J'aime bien les petites bandes, tu vois, c'est du petit détail. Ouais, mais c'est le détail pas qui rend le maillot cool. Voilà, ça rend le maillot bien. Moi ouais, je suis d'accord. Pas grand chose à dire, c'est du classique, ouais, c'est ouais, du beau. Carrément. Cette année, ils veulent nous draguer avec le doré. Hein. Le bleu foncé qui va avec le bleu clair, ouais, un petit peu dégradé, un bleu nuit. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'informations quand même. T'as quadrillage, t'as du dégradé. Ça me choque t'as pas. Non, il est très très beau. Ah, il est très beau. Hein. Très beau. Ouais. Je le mettrai pas dans banger. Non, il est pas dans banger. Mais il est très beau. Ah ouais. Il est vraiment vraiment très beau. Ah ouais. Ok, Rennes domicile, on en pense quoi? Je suis mitigé de ouf, gros. Ouais. Je suis mitigé de ouf parce que ça fait un peu genre design marbre. Tu vois, c'est du marbre ou des éclairs, on sait pas trop. Est-ce que c'est pas un rapport avec la ville, ça? Je le trouve pas ouf en vrai. Mais il me fait pas vibrer, il me fait pas kiffer. Ouais. Tu vois, genre c'est. Mouais. T'es d'accord avec moi? Ouais, complètement. On est cordage, peut-être qu'on est frères en vrai. Rennes extérieur. Eh bah, tu vois. Eh bah, il est beau. Il est beau. Il est vachement beau, je trouve. Le Samsic, tu vois, même s'il est gros, il me choque pas énormément. Ouais, finalement, il ressort bien comme ouais ça, tu vois. Non, je le trouve plus beau que le maillot domicile. Franchement, lui, il est beau. Il est beau. Ce maillot est beau. Ah. Oh. Ouais. Alors là, il y a débat. Ok, alors. Sans rien dire, tu le placerais où juste? Très beau. Ok. Et toi? Ouais, ouais, je suis. Non, d'accord. Donc, il n'y a pas de débat du coup. Je pensais que t'allais dire banger, c'est pour ça. Ah non, non, non. Super et beau. Le détail, non, moi, il n'y a rien à dire. Super beau. Super. Même le col. Le col, moi, je kiffe. Moi, c'est vraiment le détail avec les petits côtés un peu blanc, gris, ouais, tout ça et tout. Ça fait un peu pierre. Mmh. On est sur du très beau. On est sur du très beau pour ce maillot Saint-Etienne. Et ils auraient dû faire plus de taf. C'est le retour de Saint-Etienne en Ligue 1. Moi, je dirais juste beau. Non, il est bien, tu vois. C'est pas un. Je dirais pas ouf, tu vois. Et là, t'as pas de détail. Après, peut-être qu'on le voit pas dans la petite. T'as les petites lignes. J'aime bien le petit détail blanc un peu au-dessus aussi, les manches. Non, tu vois, moi je l'aurais mis dans beau. Je dis, c'est le retour de la SSE en Ligue 1. J'aurais fait un détail en plus dans le maillot. Je sais pas, un truc qui est mieux, quoi. Vas-y, vas-y, bah on part sur pas ouf alors. Maillot extérieur. Bah, c'est le finalement, même. C'est un le peu même le même. Mais c'est le même, il n'y a pas en blanc. C'est le même en blanc, sans détail. Vraiment sans détail. T'as roté là? Moi, ça me frustre parce que tu vois, Saint-Etienne, c'est vraiment un grand club. C'est un club historique de France. Tu reviens en Ligue 1 et tu nous fais un maillot blanc que tu peux retrouver en district. Et ils ont mis leur sponsor et c'est tout. Ok, maillot ferme maintenant de Saint-Etienne. Tu vois, là, ça se discute un peu. Bah, on a eu beaucoup de maillots foncés avec des détails clairs. Ah, et bah là, on a un maillot clair avec du détail foncé. Et bah je trouve qu'il est très beau. Ah ouais, moi je le mets dans très beau. Je kiffe à mort. Ouais, il est ouais, très beau. Très beau, très beau. Très très beau. On passe au maillot du Paris Saint-Germain. Ok, c'est un banger. C'est pas une bande classique. Oui. Il y a du détail dans cette bande rouge. Ouais, ça fait un peu peinture. Je le trouve vraiment, vraiment, vraiment beau. Alors, je le mettrai pas dans banger. Moi je pense que tu vas pas être d'accord avec moi. Me dis pas que tu vas le mettre dans beau. Moi je le mettrai dans beau. Non, je suis désolé. Hein. Donc ça veut dire que ce maillot-là est moins beau que le maillot de Saint-Etienne qu'on vient de mettre. Ah ouais. Tu préfères celui de Saint-Etienne? Ouais. Non, sérieux, gros. Après, c'est dur parce qu'on est. Moi, je suis pour Paris. Mmh. J'ai le maillot à la maison. Je connais déjà le maillot extérieur. Et en fait, quand je vois le maillot extérieur, celui-là, je le trouve archi beau, mais l'autre est tellement beau. Quand je vois tous les bangers. Bah, après, t'as dit, il est archi beau, donc ça veut dire qu'il est dans très beau. Mais en fait, il manque un petit détail, tu vois, je sais pas. Allez, vas-y, mets-le dans très beau. Allez, mets-nous le maillot extérieur. Ce maillot-là. Non, c'est un banger, gros. Ça, tu vois, il y a du risque. Et là, vraiment. Non, là, tu vois, moi pour moi, c'est y a le maillot rien parfait. À dire. C'est le maillot parfait. Tout ce qu'il faut pour comprendre que c'est Paris. Bon, je trouve qu'il est banger. Ce maillot est parfait. Toulouse avec sa couleur violet, la ville,
la ville rose. Je le trouve beau parce que le violet. En fait, t'as pas beaucoup de clubs qui ont ces couleurs-là, en fait. Finalement, je le trouve pas mal, mais il n'y a pas non plus un travail exceptionnel. On dit, bon, vas-y, on va aller sur Nike. Il y a une bande comme ça. Le sponsor au milieu. T'es dur à rater. J'aurais mis pas ouf. On le met dans pas ouf. Le maillot extérieur. Alors. Ah. Moi, je trouve ça tellement dommage parce que le jaune, vraiment. C'est que ça. Les détails à l'intérieur, c'est beau. Tu les mets sur le violet. Tu vois, j'aurais fait l'inverse. J'aurais mis la bande en jaune, jaune foncé et j'aurais mis tous les détails qui sont à l'intérieur du maillot extérieur sur le maillot domicile. Pour moi, tu rajoutes déjà juste le détail violet sur le bout des manches. C'est plus le même maillot. Et vraiment, ce gros sponsor LP promotion au milieu. Oh, c'est dommage. Il est pas fini, il manque quelque chose. Je sais pas si le design va du coup avec le maillot jaune comme ça. C'est dur là. Hein. Moi, je le mets limite raté, frère. Vas-y. Ouais. Ok. Strasbourg. Je te dirais pas ouf. Il y a vraiment un truc qui me... Je suis désolé. Toi, je sais que tu vas dire le truc vert là. Oh, le sponsor. Le sponsor, il est pas beau. Ouais. Ça y est, on croirait qu'il y a un haricot au milieu là. Il a rien de ouf quoi. Il n'est pas juste simple. Oui, il est pas des bleu, petites bandes un il y a peu. Des petites bandes très légères. Le col, moi, je kiffe de ouf le col comme ça. Je le trouve beau, mais à améliorer. C'est ça le truc. Toi, tu le mets dans pas ouf. Moi, je le mettrais dans pas ouf plus, tu vois. À cause du haricot. Ouais, moi, je trouve, moi, je le trouve beau, tu vois. Ok, beau moins alors. Strasbourg extérieur. Tu vois, moi, je le trouve raté. Là, tu comprends pas exactement l'inspi, tu vois. Mm. Ça fait un peu pêcheur, tu vois. Là, tu mets le bob, la canne. Qui est, quoi. Après, c'est vrai qu'il n'y a pas le sponsor, ouais. Mais je le mettrais raté. Dans raté. Ouais. Ok, est-ce qu'on va changer, du coup, cette tier list? Alors. Est-ce que tu vois des maillots qui peuvent bouger? Je sais pas si je suis dur avec les maillots de Saint-Etienne, tu vois. C'est le retour de Saint-Etienne en Ligue 1. C'est un club très historique. Alors, si tu veux en bouger un, bouge le maillot extérieur. Il a rien d'exceptionnel. Ils ont pas pris de risque. Pas comme Montpellier qui nous a sorti vraiment un maillot. Oui, c'est vrai qu'en voyant les maillots ratés, c'est clair que du coup. Ça me fait un peu mal au cœur de le mettre là-bas. Non, tu sais quoi? Tu vois le maillot de domicile de Lille, que je le trouve beaucoup plus beau que le maillot de Saint-Etienne, tu vois. On enlève le maillot extérieur de Saint-Etienne, on le met dans raté et on met le maillot de Lille dans pas ouf. Donc, maillot de Lille, pas ouf. Ouais. Moi, je trouve qu'elle est clean de ouf. Je trouve que c'est propre. Bien évidemment, YouTube, c'est nos goûts à nous. Vous, peut-être, je ne sais pas comment vous trouvez vos maillots. Dites-nous en commentaire l'équipe que vous supportez et si vous kiffez le maillot. Et le plus beau maillot selon eux de cette année aussi. Si vous avez kiffé, vous mettez un pouce bleu en tout cas. C'est un bon week-end. Bon week-end de Ligue 1, bon week-end de football. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et un nouveau concept. Comme on dit chez Lucilla, hasta plus. Hasta plus.